Il y a à peu près 35 ans, Maurice Béjart et moi-même avons fait un pas l'un vers l'autre. Ce pas, c'était la danse et l'amour de la danse. Il m'a donné la main, je lui ai donné la main, nous sommes partis ensemble et nous avons vécu une aventure extraordinaire qui a commencé avec, dans son école, Moudra, à Bruxelles, qui pendant 20 ans s'est prolongé dans le ballet du XXe siècle et au sein du Béjart Ballet Lausanne. Et en 92, à la création de son école Roudra, je suis devenu directeur. C'est assez extraordinaire de pouvoir parler des choses aussi belles, mais en même temps, aujourd'hui, cette force, cette dynamique, cette puissance de travail et d'amour fait que je peux diriger cette école et voir son avenir avec joie, bonheur et un grand dynamisme. Où est-ce que vous les recrutez, les jeunes? Ils viennent vers vous, vous allez les chercher? Lorsque l'on a une école comme Roudra, c'est-à-dire un centre universitaire polytechnique, ouvert aux arts multiples, aux traditions multiples, on se demande toujours si on accueille les gens ou si les jeunes vous choisissent pour avoir un itinéraire. Et ce choix de leur part engendre une force qui permet à cette école gratuite de continuer, de se construire et surtout de prolonger le geste humaniste de Maurice Béjart. Donc la relève, elle est assurée grâce à ces jeunes. Peut-on parler de relève et assurée de quoi? On est assuré que d'une chose, c'est de mourir. Donc assurée de quoi? Aujourd'hui, l'école est vivante, elle est active et elle est en mouvement. C'est le plus important. L'action, le geste. Le geste, c'est Moudra, l'action, c'est Roudra. Donc aujourd'hui, cette école est dynamique, ces jeunes viennent. La relève, c'est eux, mais ça n'est pas la relève de quelqu'un, c'est l'imaginaire et la prolongation de leur créativité qui sera la relève de notre vie, mais pas la relève d'un danseur. Comme tout à l'heure, vous m'avez dit, peut-on refaire, puisque nous avons coupé, peut-on refaire? Et j'ai répondu, non, je ne peux pas refaire, on ne peut pas recommencer, on doit toujours innover, construire, inventer. Nous n'avons jamais repris de rôle, nous avons recréé des rôles. Un artiste recrée sa vie chaque jour, il ne la prolonge pas et surtout il ne se relève pas, il s'envole. Ce qui est extraordinaire, c'est que avant chaque spectacle, il y a bien sûr la répétition, mais il y a surtout aussi, c'est ce qu'on est en train de voir, on est en train d'assister à une classe. Les danseurs sont des sportifs de haut niveau. Ils ont besoin de leur entraînement, ils ont aussi besoin de leur structure. Et la colonne vertébrale qui est leur structure mentale et physique, c'est la barre. Chaque jour, un danseur fait la barre. 7 jours sur 7, la plupart du temps. La beauté de la puissance du travail, c'est la barre. La barre de classique ou la barre de Martha Graham. D'ailleurs, dans le spectacle, vous verrez, il y a la première partie qui est ce qui sont les études académiques, donc la barre. Et ensuite, le développement artistique qui devient le rôle, le caractère, la personnalité. Et ça, ce sont les études chorégraphiques. Alors, c'est un spectacle inédit, unique à chaque fois, ou alors est-ce qu'il est basé sur une chorégraphie bien particulière? Le spectacle a sa structure, seulement chaque lieu invite cette structure à être modulable. Et cette structure modulable permet la flexibilité de l'esprit et du corps. Et c'est cela l'évolution. À Biron, par exemple, qu'est-ce qui inspire plus qu'autre chose? La beauté et la force. Je n'ai pas vraiment d'autres mots. D'aucuns dira ce sont des pierres, des vieilles pierres. Oui. Mais quelle âme! Vous savez, quand on est dans un lieu aussi fort, aussi puissant, il faut repenser son travail. Et ce lieu nous invite au travail, à repenser. Imaginez tous ces artisans, tous ces corps de métier qui sont venus construire, bâtir, reconstruire, modifier. Juste encore une fois, évolution, modification, adaptation, c'est ça l'évolution. Darwin nous a dit, lorsque l'on ne peut plus s'adapter, on meurt.
Comment avez-vous été amené à participer à ce festival L'été musical en Bergerac? Je pense que nous avons un producteur extraordinaire, Jérôme Lormier. Et il nous fait voyager chaque année, il nous emmène dans des lieux nouveaux, il innove pour ces jeunes danseurs, il les adore, il les aime de tout son cœur. Et Jérôme est aussi un danseur avec qui j'ai travaillé au Ballet du XXe siècle, au Béjart Ballet, c'est un ami. Et il est vrai qu'il a un courage fou parce qu'une chose est très étonnante. Le public vient pour voir une école. Et cela, c'est pas si évident. Vous savez, déplacer les gens pour voir des enfants en train de s'ébattre et faire leurs premières armes, il faut beaucoup de courage pour les produire. Et il joue ce jeu, il entre dans ce jeu merveilleux qui est le sens pédagogique et éducatif. Et en fait, tout cela, c'est notre avenir, les jeunes. C'est la dernière fois que vous dansez tous ensemble. Oui. Ouais. Vous allez où après? Cette deuxième année, il y en a qui partent dans différentes compagnies. Il y en a qui restent dans le Béjart Ballet. Et puis il y en a qui restent pour l'école une deuxième année, qui sont toujours en première année. Donc, voilà. Comment vous avez été amené à venir chez Béjart, à rue Grand Béjart? Vous avez fait la demande ou... Non, j'ai passé une audition pour l'école l'année passée. Et donc voilà, j'ai été pris, j'étais super content en fait. Depuis très longtemps, j'ai voulu au Béjart, j'adorais les ballets, c'était pour moi quelque chose de... Déjà très petit, j'ai voulu faire danseur et en voyant ces ballets, je me suis dit je vais tenter ma chance là-bas parce que c'est un très beau ballet, c'est de très belles chorégraphies, pas seulement au point de vue... artistique mais humain, on sent beaucoup la force humaine, enfin je sais pas, il y a un ressenti que j'arrive pas trop à expliquer, mais voilà, j'ai voulu passer l'audition, puis j'ai été pris et puis voilà. Ouais.